Bonjour et bienvenue à tous. La nutrition est l'une des clés pour rester en bonne santé. En pleine épidémie de coronavirus, il est essentiel de bien choisir ses produits alimentaires. Aujourd'hui, nous allons vous donner 5 aliments à privilégier pour booster votre système immunitaire et vous garder en bonne santé. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Allez, on Le brocoli est un légume de la famille des crucifères. Comme tous les légumes, il est riche en minéraux et en fibres. C'est l'un des légumes les plus denses nutritionnellement, notamment en vitamines B9 et C. Les composés bioactifs qu'il contient auraient des effets anti-cancer. Une récente étude a observé que la consommation régulière de brocoli peut augmenter les chances de survie à un cancer de la vessie. Pour mieux le déguster et en tirer un maximum de bénéfices, il vaut mieux le consommer cru ou légèrement cuit. L'ail, un légume de la famille des aliacées, est utilisé depuis plusieurs centaines d'années pour traiter divers problèmes de santé. Sa consommation aurait un effet protecteur contre les cancers de l'estomac et de l'intestin. Il ne doit pas être trop cuit. Donc il est préconisé d'ajouter l'ail 20 minutes ou moins avant la fin de la cuisson afin de préserver le plus possible la qualité de ses composés actifs. Les agrumes sont tout riches en vitamine C dont le plus populaire est l'orange. La vitamine C est un antioxydant très puissant. Elle soutient le système immunitaire à plusieurs niveaux et renforce notamment les barrières des tissus et les cellules de défense de l'organisme. On retrouve aussi le kiwi, ce fruit originaire de Chine avec sa pulpe généralement verte, sucrée et acidulée, entourée d'une peau brune et duveteuse, poilue, elle contient une centaine de minuscules graines noires comestibles. Le kiwi contient davantage de vitamine C que l'orange, il fournit aussi de la vitamine E contenue dans ses graines noires ou encore de la provitamine A, et des B1, B2, B3, B5 et B6 qui aident à renforcer les défenses immunitaires. Les poissons gras sont riches en oméga-3. En effet, les oméga-3 augmentent notamment le taux de bon cholestérol et évitent la formation de caillots dans le sang. Il est donc important d'en consommer pour éviter les risques cardiovasculaires. Les poissons gras sont aussi riches en vitamine D. Une carence en vitamine D favorise la fatigue et la dépression. La patate douce est une plante herbacée vivace dont la culture est très répandue dans toutes les régions tropicales et subtropicales, où on la cultive principalement pour ses tubercules comestibles, riches en amidon. Elle est dotée d'une très grande richesse en provitamine A et fournit aussi une énergie de longue durée, grâce à l'amidon qu'elle renferme. Elle contient aussi de la vitamine C, de la vitamine B6, de la vitamine B9, du cuivre, du manganèse et de nombreux antioxydants souvent plus abondants dans la pelure.